السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو المون، جيسبيغ كو زالي تخي بيان. اليوم لدينا حل نموذج اختبار تلميذ سنة الخامسة ابتدائي الفصل الثاني، إذا فلنبدأ على بركة الله. نبدأ بقراءة النص. Un tremblement de terre a frappé un ancien quartier à Alger. Les gens avaient très peur. Les enfants couraient à gauche et à droite. Les murs des immeubles se sont fissurés. Les tables et les vitres de cuisine étaient cassées. Les gendarmes et les pompiers ont barré la rue pour laisser à l'ambulance de passer. Les pompiers sont enfin arrivés pour secourir les blessés. C'était un drame inattendu, mais heureusement, il n'y avait aucun mort. Un tremblement de terre a frappé un ancien quartier à Alger. زلزال ضرب حيا قديما في الجزائر العاصمة. Les gens avaient très peur. الناس كانوا خائفين جدا. Les enfants couraient à gauche et à droite. الأطفال كانوا يجرون يسارا ويمينا. Les murs des immeubles sont fissurés. جدران المباني تصدعت. Les tables et les vitres de cuisine étaient cassées. طاولات وزجاج المطبخ تكسرت. Les gendarmes et les pompiers ont barré la rue. الدرك ورجال الإطفاء قطعوا الطريق لكي يتركوا المجال لسيارات الإسعاف بالمرور. Les pompiers sont enfin arrivés. رجال الإطفاء أخيرا وصلوا لإنقاذ الجرحى. C'était un drame inattendu. كانت دراما غير منتظرة. Mais heureusement, لكن لحسن الحظ, il n'y avait aucun mort. لم يكن هناك أي موتى. ننتقل إلى الأسئلة. Question, compréhension de l'écrit. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Le texte parle d'un incendie, un tremblement de terre ou bien un accident. إذن النص عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن الحريق، عن زلزال، أو عن حادث. دونك الإجابة الصحيحة هي très bien. Le texte parle d'un tremblement de terre. Complète la phrase. أكمل الجملة. Les enfants couraient car الأطفال يجرون لأنهم. Ils avaient faim, بمعنى أنهم كانوا جائعين. Ils avaient peur, أنهم كانوا خائفين. Donc, من النص, les gens avaient très peur. Les enfants couraient à gauche et à droite. Donc, les enfants avaient très peur. نسطر الإجابة. السؤال موالي. Relève du texte un adverbe de manière. استخرج من النص. Un adverbe de manière. إذن نعود إلى النص. Heureusement. من هذا هو adverbe de manière. Si c'est de manière ou heureusement. Souligne le complément de but dans la phrase suivante. Nous sommes le complément de but fait le jumla atelia. Les pompiers sont enfin arrivés pour secourir les blessés. رجال الإطفاء أخيرا وصلوا لإنقاذ الضحايا. Donc, ici on a les pompiers sont enfin arrivés. Pourquoi ou bien dans quel but? Pour secourir les blessés. Donc, pour secourir les blessés, c'est le complément de but. السؤال الخامس الآن. Complète, أكمل. Les murs se sont fissurés. قلنا الجدران تصدعت. Donc, fissuré ici, c'est le participe passé. Les murs, c'est un nom masculin pluriel. نقول le mur masculin. On a لدينا les murs. Donc, c'est un nom masculin pluriel. On a ici fissuré. On a mis le S. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les façades se sont. Les façades, c'est un nom féminin pluriel. On dit la façade. Donc ici, on a un nom féminin
Pluriel, donc on va écrire fissuré. On va mettre la marque du féminin E, puis le S du pluriel. Les façades se sont fissurées. Souhel Mouali, écrit au féminin. Un ancien quartier. Donc, on a ici une, on a ville. Ancien, c'est un adjectif. Ici, quartier, c'est masculin. Alors, on va dire une, on. Très bien, on va doubler la consonne et mettre le E. Donc, on dit une ancienne ville. Namour il a la production écrite. Le tremblement de terre frappe brusquement. Yannizelo, yadribu, fejeten. Et il peut être fatal. Yumkino en yakuna, feteken. Mais il y a des gestes à appliquer pour éviter cette catastrophe. Lakin, توجد بعض الإجراءات التي نقوم بها لتجنب هذه الكارثة. Écris 4 à 5 phrases, اكتب 4 إلى 5 جمل pour expliquer à tes amis, لكي تشرح لأصدقائك les gestes à appliquer, الإجراءات التي تتخذها. Donc, هنا حضرت لكم مثال. نبدأ بتعريف صغير. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle très dangereuse. الزلزال هو كارثة طبيعية خطيرة جدا. الآن pour l'éviter كما في السؤال pour l'éviter لكي نتجنبه نعيد كتابته هنا pour l'éviter il faut apprendre les gestes de sécurité يجب أن نتعلم إجراءات الوقاية. نقطتين أعطيت لكم هنا بعض الأمثلة وأنتم لديكم حرية التعبير. إذن s'éloigner des fenêtres نبتعد عن النوافذ. Se mettre à l'abri sous une table نختبئ تحت طاولة. Ou près d'un mur أو بجانب الجدار. Et enfin ne pas allumer une flamme لا يجب أن نشعل النار أو شعلة ما. هنا نقوم بهذه الإجراءات وذلك لتجنب الحريق في حال وجود تسرب في الغاز. لن أعيد القراءة. Le tremblement de terre est une catastrophe naturelle très dangereuse. Pour l'éviter, il faut apprendre les gestes de sécurité. S'éloigner des fenêtres, se mettre à l'abri sous une table ou près d'un mur, et enfin, ne pas allumer une flamme. Donc, nous allons commencer par une majuscule. Il faut que nous écrivions avec un texte clair. Et il faut que nous créions une phrase utile pour elle. Donc, avec cela, nous avons déjà atteint la fin de la vidéo. J'espère que vous avez profité de la vidéo. Ramadan karim à tous. Merci pour votre suivi et salam alaikum.